Laurence Lingentet, je suis la coordonnatrice scientifique du Centre de recherche en droit public avec une approche prospective. Je suis très heureuse d'accueillir Jean-Louis Denis et Emmanuel Marceau pour cette, alors c'est matinée de la justice un peu tardive. C'est une conférence qui s'inscrit dans une série de conférences qui est organisée par le centre le CRDP, le centre de recherche. Si vous voulez, il y a une série de conférences qu'on a appelées à toute heure du jour et de la nuit et qui est basée sur notre thématique centrale de recherche qui est la justice. Donc, on a les matinées, on a les après-midi, on a les fins d'après-midi, puis on a même les nuits de la justice. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Louis et Emmanuel dans les après-midi, les matinées, mais qui sont plutôt une après-midi ou une fin d'après-midi. Et Emmanuel, j'en profite à ce propos pour annoncer aussi que nous organisons, avec la collaboration du Cégep du Vieux-Montréal, une conférence qui s'appelle Les Nuits de la Justice, donc qui aura lieu le 10 mars prochain, de 19 h à 21 h. Et donc, il y a une partie de ce dont elle va parler aujourd'hui, puis il va y avoir un deuxième axe de réflexion qui sera sur les applications de traçage, notamment pour suivre les évolutions de la COVID. Donc, avec une approche et juridique, sociale et éthique. Donc, tout d'abord, je voulais aussi vous informer que cette conférence fait l'objet d'une formation continue barreau et chambre des notaires. Pour cela, vous avez dû vous inscrire sur une plateforme LARA. À la fin de cette conférence, vers 17 h 30, je vais vous communiquer par clavardage un petit mot de passe. Ce mot de passe va permettre de vous inscrire, en fait, de valider votre présence de façon numérique sur votre plateforme, sur votre portail. Et vous allez recevoir dans les 10 jours une attestation donc de formation continue qui équivaut à 1 heure et demie environ de temps. Alors tout d'abord, je vais avoir le plaisir de présenter Jean-Louis Denis et Emmanuel Marceau, qui vont ensuite, Emmanuel, faire une grande même conférence, une grande allocution d'une quarantaine de minutes, je crois. Et Jean-Louis Denis va être son répondant, puis on donnera la parole au public. Alors, Jean-Louis Denis, il est professeur titulaire au département de gestion, évaluation et politique de la santé, titulaire d'une chaire de recherche du Canada sur le design et l'adaptation des systèmes de santé. Il est aussi chercheur régulier en innovation dans le domaine des soins de santé au centre de recherche du CHUM. Il est professeur invité au département de gestion du King's College de Londres. Et en reconnaissance de sa contribution à la recherche universitaire sur les politiques de santé et la gestion de soins de santé, il a été élu membre de l'Académie des sciences sociales de la Société royale du Canada en 2002, membre de l'Académie canadienne des sciences de la santé en 2009. Il est très prolifique et a un nombre impressionnant de publications, que ce soit articles, ouvrages, conférences aussi. Donc, je vous invite, vous pouvez aller voir son CV sur la page du Centre de recherche en droit public. Quant à Emmanuel Marceau, elle soutient et accompagne divers organismes professionnels dans le domaine de la bioéthique, de la conduite responsable en recherche, éthique de la recherche, de l'éthique organisationnelle, notamment tout ce qui est conflit d'intérêts, code d'éthique, prévention du harcèlement, et de l'éthique professionnelle. Ces interventions se déroulent tant dans les secteurs de l'enseignement supérieur, réseau collégial, réseau universitaire, de la santé, notamment le CIUS, et d'autres regroupements tels que le Conseil interprofessionnel du Québec et le Centre des auteurs dramatiques. À plusieurs reprises, elle a organisé des événements scientifiques, prononcé des conférences ou tenu des initiatives pour déployer les pratiques exemplaires, notamment dans le domaine professionnel, et favoriser la conduite responsable en recherche. Plus récemment, elle a contribué à diverses activités et communications sur l'éthique et l'intelligence artificielle. Elle est chercheure associée au CRI, qui est un autre regroupement, à l'OBVIA, très connu au Centre de recherche de droit public, donc, et à UMAI.
Elle est aussi, comme je vous disais, donc collaboratrice dans cette première grand événement qui aura lieu donc les Nuits de la Justice le 10 mars prochain. Je vous laisse donc tous les deux la parole. Emmanuel, c'est à toi. Jean-Louis, je vous laisse la parole. Je vous en prie. Eh bien, merci infiniment, Laurence. Merci infiniment, Monsieur Denis, d'accepter d'agir comme modérateur pour la présentation. Ça me fait vraiment un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Je pourrais juste peut-être préciser, parce que j'ai quelques étudiants qui sont dans le cours, donc je suis également professeure associée à l'ESPOUM et j'enseigne également la philosophie au Cégep du Vieux-Montréal, ce qui explique l'organisation des Nuits de la Justice là, le 10 mars prochain. Alors voilà, la présentation que je vais faire cet après-midi. En fait, je dois tout de suite me tourner vers Marie-Alexia, qui est quelque part dans un des petits carrés, puisque nous sommes quand même passablement de personnes en ligne. Marie-Alexia, qui est étudiante au doctorat, qui a une maîtrise en santé publique, en bioéthique. Marie-Alexia m'a aidée pour la recherche et la rédaction d'un article qui est présentement soumis à la Revue canadienne de bioéthique sur cette question de l'accès aux soins de santé et respect des consignes sanitaires. Donc, je la remercie, je la salue au passage. Alors, pour le plan de présentation, en fait, Marie et moi, on a réfléchi et on a rebondi à la suite des propos d'un bioéthicien américain, Arthur Kaplan, qui a fait des allégations qui sont un peu surprenantes par rapport aux gens qui refusaient de suivre les mesures de santé publique et de porter le masque. Donc, je vais commencer par présenter sa position, puis on va même l'entendre directement. Si tout va bien, je me croise les doigts, on devrait être en mesure d'entendre une courte vidéo où il s'exprime, c'est en anglais, mais je pourrais résumer les grandes lignes vis-à-vis ces questions-là. Et c'est une proposition qui a fait beaucoup réagir dans les médias. Et pour être honnête avec vous, c'est comme ça que j'ai été sensibilisée à sa position, c'est-à-dire qu'on m'a moi-même interpellée pour que je me prononce sur ces propositions. Donc, on va regarder un peu comment ça a fait réagir dans les médias. Et par la suite, on va problématiser et soulever une question de recherche qui nous a plus intéressés, Marie et moi, pour formuler notre thèse répond un peu à la question, savoir si sa position pourrait être acceptée au Canada. Et pour soutenir notre thèse, on va regarder quelques principes juridiques, le récent protocole de triage qui a été mis en place au Québec, et on va faire après un peu soupeser les arguments qui pourraient être en faveur de la position de Kaplan, parce qu'il faut dire qu'elle n'est pas dénuée complètement de tout intérêt. Et on va voir également de l'autre côté, ben, pourquoi on devrait rejeter la proposition de Kaplan. Et on va à la fois s'inscrire dans des théories en santé publique, en bioéthique, en droit, et aussi des arguments, je vous dirais, pratico-pratiques qui font en sorte que cette proposition-là devient difficilement ben, réalisable. Et je vais terminer la présentation en ouvrant plus sur une perspective de collaboration, sensibilisation et éducation qui nous semblait, à Marie et moi, la meilleure approche pour adresser ces questions-là. Alors, revenons brièvement sur le contexte. Là, je vous apprends absolument rien, mais depuis près d'un an, on est dans un contexte de pandémie, de COVID-19. Et bon, évidemment, ce n'est pas la première pandémie et ce n'est pas la première fois non plus que la santé publique est mobilisée pour réfléchir à des enjeux éthiques bien particuliers qui, justement, en contexte endémique, se posent. Alors, on peut parler de l'accès aux soins de santé dans un système saturé, l'afflux massif de malades, le manque d'effectifs. Là, on pourrait la liste. Je vous dirais, d'enjeux éthiques est très, très long. On pourrait ajouter à ça les relations entre le privé et le public, hein, particulièrement au Québec, ça s'est vu récemment, des infirmières qui quittent, parler de santé mentale des soignants, du soutien apporté aux proches malades. Bref, il y aurait énormément à énumérer. Mais ce qui retient notre attention aujourd'hui, c'est les propos en fait, c'est un groupe, ils sont quatre bioéthiciens américains, qui a été surtout là, chapeaudé par Arthur Kaplan, et qui, en gros, ont énoncé l'avenue suivante. Si une personne souhaite désobéir aux consignes de santé publique,
Alors là, on peut penser ne pas porter le masque. C'est surtout ce qu'il y avait en tête, là, donc tout le mouvement anti-masque. Mais on pourrait penser des gens qui se réunissent comme si, bon, au Québec présentement, on n'a pas le droit de se réunir dans les maisons. Bon, par exemple, se réunir, tu sais, comme si rien n'était. Bref, on ne suit pas les conseils, les consignes de santé publique au nom de l'expression de sa liberté. Parce que surtout les gens, le mouvement anti-masque, si vous avez un peu suivi, ben, c'est surtout ce qui est évoqué, c'est-à-dire, ben, je suis libre, pourquoi l'État va m'empêcher de sortir de chez moi ou pourquoi il va me forcer à porter un masque, etc. C'est ma liberté. Donc, au nom de cette liberté d'expression-là, ce que Kaplan nous dit et ses collègues, ben, cette personne-là, si elle contracte la COVID-19, ben, du même élan, de la même liberté, elle devrait accepter d'être soignée en dernier. Si effectivement elle a besoin de soins de par son état de santé. Alors là, c'est le grand mouvement, le grand roulement de tambour. C'est une courte vidéo, ça dure 4-5 minutes où il explique lui-même, c'est en anglais, mais vous allez voir si vous n'avez pas tout compris, inquiétez-vous pas, je vais y revenir au fil de la conférence, mais j'ai pensé quand même intéressant de vous faire entendre de sa voix même la position qu'il défend. Alors, on va faire un test. Est-ce que vous entendez bien? Non, on n'entend Non. pas. OK. Attendez-moi. J'ai bien cliqué pour le partage d'écran, le son, mais je vais peut-être, si vous me permettez, prendre un instant pour arrêter le partage d'écran et reprendre le partage d'écran en cliquant partager le son de l'ordinateur, puis en me croisant les doigts que ça suffira à régler le problème. Alors, je Well, recommence. the United States is Est-ce que vous deeply entendez cette divided fois-ci? about is it Oui, time alors je vais juste to open reculer. up? Merci beaucoup. Alors, j'y Hi, vais. I'm Art Kaplan. I'm at the Division of Medical Ethics at the NYU Grossman School of Medicine. Well, the United States is deeply divided about is it time to open up? Is it time to come back to some semblance of normalcy? And we've seen many, many groups demonstrating vociferously, and sometimes in ways that I think are ethically dubious, to get their state to open up more quickly. There were demonstrations in Michigan with people going into the legislature armed, and I know that's an open carry state, but it's one thing to carry weapons, it's a different thing to use them to intimidate, and that's what I think was going on, so I don't support that kind of demonstration. But there were other demonstrations where people basically stood in the street, didn't social distance, didn't wear masks in many states, and said, you know, we want to reopen. We think that the economy is being too damaged by this behavioral strategy for dealing with COVID, which keeps us quarantined and unemployed. And I understand that, and I have sympathy for that. On the other hand, it does seem to me that these groups are assembling in ways that create public health risk. They're not wearing masks. That's become a almost political protest not to wear one. The president doesn't wear one. Mike Pence sometimes doesn't wear one. Of course, people seem to be ignoring the fact that because the White House didn't insist on it, the virus got into White House staff and into the White House setting. But be that as it may, many people at demonstrations don't protect themselves. They don't stay apart. They don't wear a mask. I don't see any Purell. They're not doing anything that would be behavior that would minimize their risk. So I believe ethically that liberty, going out and demonstrating, saying I'm not going to follow orders, I'm going to go to a bar, I'm going to open my business prematurely, that's great. I can be for liberty. But historically, as philosophers have always said, liberty has responsibilities and it has limits. One limit is, as John Stuart Mill, the great proponent of liberty in the 19th century, wrote, or I'm paraphrasing, your freedom to swing your arm ends at the tip of the next guy's nose, meaning you can move your body around, but if you're hitting people and hurting them, then you don't have the freedom to do that. I think we ought to take seriously the duties and responsibilities and the messaging that goes along with groups assembling in ways that are not safe. And I propose that we ask people to sign a pledge card, which says, if I get sick and if I need hospitalization,
then I want to go to the end of the line in terms of getting healthcare resources. I know that sounds radical because many doctors believe firmly, and I support that, that you don't sort out patients on the basis of who's a good person and who's a bad person or who's virtuous and who isn't. On the other hand, if we're in rationing circumstances and you got yourself sick because we know that you didn't follow the rules and the recommendations, you deliberately flouted them, you went to places and publicly were recorded flouting them, then I think those people should have the guts to take it upon themselves to say, we know what we're doing, and we want liberty, and we're willing to pay the price if we get sick. So I'm not arguing that we shouldn't treat them. I'm arguing that they should volunteer not to be first in line, but to be the last people treated if rationing were to happen, if they were to set off a local outbreak that overwhelmed the hospital, or we got a rebound of the virus that required a lot of hospitalizations, which I hope doesn't happen, later in the year. Tough policy, but at the end of the day, I think part of the message should be you're free to choose, you're free to demonstrate, you're free to let your priorities be known. But if you make yourself sick, and you don't follow basic safety precautions as part of what you're doing, then you should have the moral fortitude to say, I understand the consequences and I'm willing to accept them. I'm Art Kaplan at the Division of Medical Ethics at the NYU School of Medicine. Thanks for watching. Bon, donnez-moi juste un petit instant. Est-ce que tout est beau? On est revenu à l'écran. Excellent, merci beaucoup. Alors, je résume en quelques instants. Donc, d'un point de vue, je vous dirais, assez convaincant, un peu assez articulé, Dr Kaplan nous explique, dans le fond, qu'il comprend les gens qui sont tannés du confinement, qui ont envie de réouvrir les commerces, de reprendre finalement la vie d'antan, hein, d'avant. Donc, il dit, d'accord, soit, si vous voulez faire ça au nom de la liberté, hein, de vivre votre vie, si jamais vous nécessitez des soins de santé, puis dans un contexte où les soins sont saturés, vous devriez accepter d'être soigné en dernier, ce qui, évidemment, peut impliquer ne pas être soigné du tout, parce qu'on va le voir un petit peu plus tard, effectivement, les gouvernements ont réfléchi quoi faire si on doit trier des patientes, c'est-à-dire que si on a un système qui est saturé, puis on a des malades qui rentrent plus que ce qu'on peut prendre, il va falloir établir des critères pour faire des choix, pour octroyer des soins. Alors, ce que Kaplan suggère, c'est vous avez choisi de vivre comme vous vouliez, acceptez d'être à la toute fin, laissez votre place à d'autres. Et à ce moment-là, d'autres qui ont suivi les mesures de consigne de santé publique pourront bénéficier des soins. Et s'il reste assez de place pour vous, évidemment, on vous prendra, mais seulement à la toute fin. Alors, il reconnaît lui-même, tough rule, hein? C'est une règle assez dure et qui va à l'encontre, il le souligne, c'est pour ça que je vous l'ai fait écouter, parce que je trouve quand même que son propos est quand même nuancé et il comprend les différents arguments, hein? C'est pas unilatéral. On dit, bien sûr, les médecins, jusqu'à présent, vont pas commencer à octroyer des soins à savoir si une personne a été bonne ou mauvaise, est-ce qu'elle est malade parce qu'elle a eu un mauvais comportement, hein? C'est dans la littérature, puis on va y revenir dans quelques instants. C'est des questions en santé publique qui ont émergé dans le passé. Alors, pour commencer justement notre réflexion, j'ai pensé reprendre quelques réactions qu'on a vues dans les médias, des réactions, ça a fait à l'international, là, hein, aux États-Unis, au Canada, d'autres pays aussi sont venus sur cette position-là. Et j'ai retenu celle qui était près de nous, donc Daniel Weinstock, que plusieurs connaissaient, là, qui est professeur à la faculté de droit de McGill, qui a été longtemps au département de philosophie à l'Université de Montréal. Donc, vraiment quelqu'un qui a une bonne connaissance des enjeux juridiques, des droits fondamentaux, puis évidemment philosophie morale.
Alors, lui, il nous dit que c'est clairement pas envisageable hein, d'avoir un critère comme ça pour obtenir des soins médicaux. Il nous parle aussi du contexte d'anxiété, de panique, d'épuisement et de désespoir dans lequel on est tous plongés à titre de citoyen, mais aussi à titre de soignant. Il nous parle aussi, il souligne un point intéressant, la désinformation autour de la COVID et des règles sanitaires. Donc, si effectivement, on a à appliquer ça, puis on le voit au Québec, ça change assez fréquemment. C'est pas toujours évident de savoir on en est rendu où, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Effectivement, là, de maintenir des gens, bon, évidemment, on sait que le masque, mais même le masque, hein, si on prend ça, là, les propositions d'avoir deux masques, de porter deux masques, bon, là, la santé publique s'est pas encore prononcée. Alors, il y a toute cette mouvance-là, puis des risques de désinformation qui viennent justement avec des consignes, des fois, qui peuvent être évolutives. Et finalement, il nous dit, ben, ça devient injuste de faire subir des conséquences aux personnes qui ne respecteraient pas ces règles, alors que le problème, selon lui, est plus large. Donc, évidemment, il ne seconde pas la position de Kaplan. Et Yann Joly, que certains aussi connaissent, qui est d'ailleurs chercheur régulier au CRDP, avait une position similaire. Par contre, c'est un des seuls qui reconnaît finalement que la position que Kaplan soulève, c'est-à-dire que les libertés, les décisions d'un individu devraient s'accompagner aussi de responsabilités. Hein? Donc, il nous dit c'est un peu oublié. Mais il conclut, puis je dois dire, j'ai contribué aussi à cet article-là. Pas avec Yann Joly en même temps, mais on a été tous les deux sollicités. C'était l'article pour lequel j'avais été sollicitée par les journalistes. Mais on était d'accord sur le même point que finalement, ben, tu sais, au bout du compte, même si les choix d'attribution de matériel et de soins devraient être faits, les questions d'habitude de vie, de comportement des individus ne doivent pas être des critères de triage. Et ça, afin d'être juste et équitable. Donc, je poursuis. Pour arriver à la problématique, dans le fond, un peu plus large, de dire, ben, est-ce que c'est acceptable d'en appeler au sens moral des réfractaires aux mesures de santé publique afin qu'ils acceptent volontairement de se mettre à la fin des listes d'attente pour des soins s'ils présentent des symptômes graves de COVID? Dit plus simplement, est-ce que la bonne conduite ou inversement la mauvaise conduite peut être un critère de triage acceptable? Hein? Donc, est-ce que ça peut être quelque chose qui peut être retenu? Et évidemment, on se plaçait dans notre réflexion dans le contexte québécois, dans le contexte canadien, hein, pour réfléchir à cette proposition-là. La thèse qu'on a formulée, qu'on va vous présenter, c'est que dans le fond, le principe d'universalité en matière d'accès aux soins prévaut. Ainsi, tous doivent avoir aux soins de santé en cas de besoin, hein, et on parle ici de besoin médical, et ce, peu importe le comportement des personnes. Et cette thèse, nous semble-t-il, prend assise sur des principes juridiques, philosophiques et également de santé publique. Donc, dans les prochaines diapos, ce que je vous propose de faire, c'est d'explorer un peu ces principes juridiques, revenir sur le protocole de triage, hein, et après vraiment rentrer plus dans les arguments tant du docteur Kaplan et du côté de la thèse qu'on a soutenue, Marie-Alexia et moi. Donc, principe juridique, la loi canadienne 1985 a quatre critères d'accès aux soins de santé. Hein, donc, la gestion publique des services de soins de santé, l'intégralité, la transférabilité, pardon, et l'accessibilité. Alors, ici, particulièrement, ben, c'était l'idée qui nous intéressait, c'est le fait que les soins soient accessibles, puis qu'on ne pouvait pas, justement, en fonction de l'âge, de l'état de comportement ou autre, hein, qu'il y ait toute forme de discrimination. Puis c'est l'idée que cette loi avait de protéger ces quatre principes universels de la loi canadienne. Alors, cette loi-là s'applique, c'est une loi générale à travers le Canada. Et voilà, donc, lit d'une certaine façon là, ce qui se passe au Canada et ben, au Québec, pardon, en lien avec d'autres documents fondamentaux, dont la Charte canadienne des droits et libertés adoptée en 82, que vous connaissez sans doute tous. Donc, il nous apparaissait qu'il y avait deux articles qui étaient particulièrement mobilisés avec la position de Kaplan. Premièrement, le droit à la vie et la sécurité.
On a vu, je pense, dans les médias aujourd'hui, on fait état de plus de 2 400 000 morts à travers le monde, des suites de décès liés à la COVID. Donc, je pense qu'on peut parler ici effectivement d'une maladie qui, ben, qui est variable. Certains s'en sortent avec très peu de séquelles, mais d'autres, effectivement, les séquelles sont dramatiques, sont terribles, c'est la mort. Donc, on peut parler effectivement, si on refuse des soins des gens qui en ont besoin, ben, que ça peut entraîner des complications graves, voire la mort. Alors, c'est quand même quelque chose de sérieux. Et en ce sens-là, on trouvait que ça s'inscrivait dans un droit à la vie de permettre aux gens d'avoir accès à des soins de santé. Et aussi, évidemment, l'article 15, l'interdiction de discrimination, hein, pour toute caractéristique personnelle. Et ça, bien évidemment, dans le contexte où puis on rentrera un peu plus dans l'argument avec la santé publique, mais on ne peut pas laisser finalement des gens sans soins alors que finalement ils ont peut-être fait des mauvais choix parce qu'ils n'avaient peut-être pas toute l'information, toutes les capacités pour comprendre l'information. Accès à Internet haute vitesse, c'est peut-être pas tout le monde à travers la province. Bref, il y a plein d'informations qui pourraient, ou de situations, pardon, qui pourraient faire en sorte que quelqu'un pourrait faire des choix, mais ce ne serait pas des choix libres et éclairés, hein, en toute connaissance de cause. Et effectivement, les refuser à ce moment-là, ben, ça viendrait contre leurs droits fondamentaux. Au Québec, ben, on a également une charte, Charte des droits et libertés de la personne, 75, et on retrouve à l'article 1 le même droit à la vie. Et on trouve intéressant aussi l'article 2, hein, tout être humain dont la vie est en péril a un droit au secours. Et évidemment, ben là, faudrait peut-être creuser dans la jurisprudence, mais a priori, quand le législateur a parlé, il ne nous a pas dit ben, droit au secours, mais si vous avez eu un mauvais comportement et vous êtes retrouvé dans le trouble à cause que vous avez eu un mauvais comportement, ben là, c'est correct de vous laisser sur le bord de la route ou vous laisser de côté. Alors évidemment, c'est la condition, hein, c'est la vie est en péril, donc on doit intervenir. Hein, c'est la clause souvent qu'on appelle de bon samaritain. Donc le bon samaritain ne va pas commencer à dire ben, as-tu été bon ou mauvais avant de te retrouver dans ta mauvaise situation. Alors ça, on trouvait que ça donnait aussi de la force à notre position au plan juridique. Et finalement, l'article 10 prévient que toute action irait à l'encontre de l'exercice de ses droits, hein, sur la base d'une discrimination, ben, serait jugée illégale. Donc, évidemment, quelqu'un, je ne sais pas moi, qui serait défavorisé ou qui aurait pris, hein, qui aurait pris des mauvaises décisions, ben, ne pourrait pas, tu sais, être finalement rejeté sur ces bases-là. Au Québec, et je suis sûre que vous avez tous entendu parler, il y a eu un protocole de triage qui a vu jour. En fait, ça a été, si je ne me trompe pas, là, au début du printemps dernier, la première mouture qui a été dirigée par Marie-Ève Boutillier, que vous connaissez peut-être, qui est professeure associée au département de médecine à l'Université de Montréal. Et elle était accompagnée d'une équipe de pas loin d'une cinquantaine d'experts, tant au plan médical, bioéthicien. Et ils ont fait une revue systématique de protocoles de triage de par le monde pour savoir qu'est-ce qui se passait ailleurs et quels étaient les critères qui étaient utilisés pour justement faire le triage dans un contexte de sursaturation des soins de santé. Donc ça, c'est important, là, je le rappelle, c'est pas d'entrée de jeu, c'est vraiment dans un contexte où tous les lits sont occupés et ça continue à affluer. Au Québec, si vous vous souvenez, en janvier, début janvier, on a frisé, là, je vous dirais, là, on était à une semaine, les experts, les médecins, ça commençait à prendre la parole, puis écoutez, là, si ça n'arrête pas, malheureusement, on va devoir l'appliquer. Hein? Donc, souvenez-vous, c'est dans ce contexte-là. Il y a même des formations qui ont été déjà offertes aux soignants pour en lien avec le protocole. Donc, plusieurs experts ont pris part. Il y a eu une révision qui a été faite à l'automne. Vous avez peut-être entendu parler aussi. Là, notamment, on a revu quelques aspects qui, au niveau de la discrimination, ne fonctionnaient pas pour des personnes handicapées. Je ne veux pas entrer dans ces détails-là, mais ce qui est important ici, là, c'est que la répartition des ressources, elle se fait essentiellement sur l'état de santé des patients, leur capacité à se rétablir, hein, de l'infection, puis leur atteinte clinique. Essentiellement, ce sont les critères qui sont retenus. Là, on peut le ventiler puis le détailler, mais en gros, c'est l'aspect clinique, hein, qui va déterminer
si un patient ou pas aura des soins dans un contexte de sursaturation. Alors, il n'est pas question d'inclure des critères moraux. Ça s'est vu dans, historiquement, et là, je vais prendre dans des détails, mais dans certains hôpitaux, entre autres aux États-Unis, où effectivement, là, si la personne était catholique, ben, elle était soignée avant d'autres qui n'avaient pas ces allégeances religieuses. Donc, ici, on voit bien, on ne veut pas ce genre de triage-là, mais bien uniquement sur les soins, les besoins cliniques du patient. Bon, alors si on amorce maintenant, là, que j'ai fait quand même une bonne mise en contexte pour amorcer la discussion sur les arguments en faveur puis contre finalement la position de Kaplan, ben, j'y vais avec deux propositions de chercheurs. Donc, premièrement, on nous dit, selon les bonnes pratiques médicales, vous devez donner la priorité aux patients en fonction de leurs besoins cliniques. Vous ne devez pas refuser ou retarder un traitement parce que vous pensez que les actions ou le mode de vie d'un patient ont contribué à la décision. Donc, premier chercheur nous dit ça de façon générale. Puis ensuite, Capeline, sur laquelle on va revenir, elle nous dit l'accès à un soin doit se faire selon des critères en lien avec la gravité de la pathologie, les bénéfices espérés du soin et le rapport coût-efficacité du soin de santé. Donc, partons de là, du contexte général, et revenons sur la proposition de Kaplan. Alors, il l'a dit lui-même dans ce que vous avez entendu, l'extrait audio. Il se base sur John Stuart Mill, qui est un philosophe dont vous avez sûrement, à tout le moins, entendu le nom, 1859, hein, qui nous dit « Mais il y a un principe de non-nuisance. » Alors, il est légitime, selon Mill, de contraindre une personne contre sa volonté, si et seulement si, ou pour une unique raison, c'est-à-dire empêcher de causer du tort à autrui. Donc, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais c'est un peu, hein, dans la vie de tous les jours, la liberté des uns s'arrête où la liberté des autres commence. C'est-à-dire que là, si vous êtes en train d'entrer dans le territoire de l'autre puis de causer du tort à l'autre, ben votre liberté doit être limitée, doit être contrainte. En ce sens, Capellan va nous dire les droits sont accompagnés de responsabilités. Alors, c'est une vision, je vous dirais, très large de la liberté qui est quasiment totale chez Mills. Donc, tant que vous affectez pas autrui, hein, ben, à ce moment-là, vous êtes correct. Et en ce sens-là, pour l'État aussi, c'est une conception très libérale, hein, c'est-à-dire que l'État va minimiser son intervention, son action, uniquement hein, quand c'est pour éviter hein, de causer du tort. Mais l'État va pas inciter à adopter un comportement prudent ou sage ou forcer à agir quelqu'un simplement pour des enjeux de santé de façon générale. Alors, c'est une vision, je dirais, assez minimaliste du rôle de l'État et de la santé publique. Donc, toujours dans les arguments en faveur de la thèse de Kaplan, donc, Capellan nous dit « Les répartitions des charges et des avantages devraient être liées à la manière dont les différents individus ont contribué à la création de ces charges et ces avantages. » Donc, on voit ici, hein, clairement, c'est la théorie de l'égalitarisme libéral. Hein, donc, les individus doivent être tenus responsables de leurs choix, puis en quelque sorte, hein, réparer ou assumer les désavantages qu'ils auraient pu créer de par l'expression de leur comportement et de leur liberté. Ainsi, deux individus qui ont fait le même choix devraient être traités de manière identique par principe d'égalité. Donc, ça veut dire quoi? Ben, si vous n'avez pas porté le masque ou si vous avez pris des risques et vous vous retrouvez dans une situation dramatique après, ben, c'est à vous d'assumer finalement les risques. Et là, ben, tu sais, je me permets, ça peut être une pente, en droit, on aime bien ça, les pentes glissantes, là, mais effectivement, ça peut être une pente glissante parce qu'il y a plusieurs comportements qu'on peut adopter, même des activités qui peuvent être considérées comme à risque. Là, je fais un autre clin d'œil à l'actualité. Vous avez peut-être vu là, les articles au mois de janvier des médecins, puis même la santé publique, qui mettaient en garde contre les risques associés à la glissade hein, pour les jeunes enfants. Beaucoup de commotion cérébrale. Alors, à la limite, on pourrait dire, ben là, si vous avez glissé, vous avez pris des risques. Si votre enfant est blessé, ben si on est sursaturé, tant pis, assumez
c'est une activité qui était considérée à risque. On est sorti, vous étiez au courant. Alors voilà. Donc, c'est un peu la position. Si je continue, on a un autre chercheur ici qui nous dit que ce principe de responsabilité ne s'applique que pour des décisions qui sont prises lorsque les inégalités résultent de caractéristiques non choisies. C'est-à-dire que si effectivement vous prenez des décisions, mais c'est la génétique qui va faire en sorte que vous preniez de mauvaises décisions, ben là, on devrait faire une exception. En d'autres termes, on pourrait modérer l'application du principe dans des cas où il y aurait des facteurs là, de prédisposition ou un environnement qui ferait en sorte que vous n'êtes pas au courant du tout. Alors là, on pourrait atténuer la règle, si je peux dire. Du côté de Winia, on nous dit ben, la personne s'appuie aussi sur les propositions de Mills. Et donc, on a un devoir et une responsabilité hein, d'une personne à ne pas faire de mal ou de tort entre autrui en ayant recours à sa propre liberté. On revient sur la thèse. Ici, en mettant la vie d'autrui en danger, ben, on devrait dès lors renoncer à l'exercice de sa liberté et assumer les conséquences de son choix. Donc, en temps de COVID, si une personne refuse de suivre les mesures sanitaires prescrites, ben, elle met potentiellement la vie de d'autres personnes en danger. Et à ce moment-là, ben, voilà, on devrait refuser, ou en tout cas, on devrait lui demander de se placer à la fin de la ligne. Ça, c'est une autre question aussi qu'on peut aussi soulever. Mais si la personne refuse, quoi faire? Est-ce qu'on devrait, d'entrée de jeu, refuser le soin ou comment intervenir? Là, Kaplan ne va pas jusque-là dans sa vidéo, mais ça serait assurément une question qu'on pourrait lui poser. Maintenant, si on va de l'autre côté, c'est-à-dire un peu plus de ce que Marie et moi, on avait réfléchi, c'est-à-dire au plan théorique, qu'est-ce qui vient à l'encontre de la position de Kaplan qui, ben, je vais vous dire là, dans la thèse qu'on supporte, de toute façon, vous l'avez vu, nous, on n'est pas en faveur d'une reprise de cet argument-là au Québec, au Canada. Donc, un premier argument, c'est l'objection humanitariste qu'on retrouve. Hein, donc, et qui va comme suit, ben, il est obligatoire d'aider toute personne qui se trouve dans le besoin sans égard à la raison qui l'a conduit à être dans cette situation de besoin. Et puis là, ben, t'sais, évidemment, on peut penser nos médecins, ça fait des décennies, c'est pas des siècles, qui traitent, qui soignent des gens qui se trouvent dans le besoin à cause d'une mauvaise conduite. Hein, là, c'est des choses d'une évidence flagrante. Alors, évidemment, ils sont habitués de soigner des criminels, des gens qui ont eu des comportements sexuels à risque, des activités dangereuses, etc., qui n'ont pas suivi des règles de vaccination et qui se retrouvent avec des maladies contagieuses. La liste serait très, très longue. Alors ici, ben, d'un point de vue humanitariste, c'est de dire... Ben, on soigne et on ne regarde pas finalement le comportement de la personne. Et ça, ben, ça revient se rattacher à l'article 2 dont on a discuté tout à l'heure, c'est-à-dire l'obligation de secours à une personne. Et il n'y a pas de situation ou allusion à des critères qui autoriseraient une non-assistance à une personne en danger, c'est-à-dire qu'elle aurait eu un mauvais comportement. Elle a fait de la moto, elle allait à 120 km à l'heure, ben, tant pis pour elle, on va la laisser sur le bord de l'autoroute, ou en tout cas, à tout le moins, on va l'enlever de là, mais on ne lui donnera pas de soins. Alors, ce principe-là ne fonctionnerait pas, en tout cas, de notre perspective, à Marie et moi. Donc, un individu doit être tenu responsable de ses choix et non des conséquences de ses choix. Et là, ben, c'est, voilà, ici, on peut lui dire, ben, c'était un mauvais choix, mais au-delà de ça, on ne va pas lui faire payer en refusant des soins ou en refusant une aide ou en refusant une assistance, parce que là, effectivement, ça peut aller très loin. Donc, une autre objection qu'on a trouvée aussi, c'est une objection d'équité. Donc, les conséquences d'un choix ou d'une habitude de vie, hein, en le fond, ce qu'on peut voir, qu'on creuse, puis surtout d'un point de vue de santé publique, bien, ça va dépendre qu'en partie de l'individu. Hein? C'est-à-dire que si vous êtes très influencé par votre contexte familial, si vous manquez d'éducation, et ça, il y a des recherches là, en santé publique, là, plus le niveau d'éducation est élevé, plus la longévité, plus le statut socio-économique monte. Alors, il y a des corrélations très fortes. Ben là, tu sais, quoi dire à des gens, justement, qui ont un secondaire 2, qui se retrouvent là-dedans, qui font des choix, mais qu'on peut les tenir responsables de la même manière que d'autres personnes qui, finalement, seraient...
mieux éduqués, mieux nantis, auraient accès à de la meilleure information, etc., etc. Donc, c'est un peu ça de se dire, ben, on ne peut pas juger tout le monde de la même façon, puis dire, ben, vous aviez juste à vous informer, puis si vous avez fait le mauvais choix, ben, assumez les conséquences. Ça serait injuste si on va, puis là, il y a des références dans la littérature, ça serait injuste, inapproprié de sanctionner des individus qui n'ont pas un contrôle total sur leur propre comportement. Les décisions des individus ne sont pas totalement de leur fait, mais sont aussi influencées par leur environnement direct. Ça, on peut faire beaucoup de liens, ne serait-ce qu'avec les théories conspirationnistes hein, qu'on voit, puis les mouvements. Il y a des familles québécoises qui ont témoigné. Ben, mon proche, mon frère, mon ami, mon conjoint là, est rendu comme dans une bulle. Ben, là, on ne pourrait pas dire ben, on se détourne de cette personne-là parce que momentanément, c'est des choix irrationnels ou c'est des pensées irrationnelles qui l'animent. Alors, l'idée ici, c'est de se dire, ben, la rationalité, la façon de penser d'une personne, elle est influencée, elle est tributaire d'un environnement et ça serait beaucoup trop drastique ou brutal comme norme de dire, ben, tant pis si elle fait un mauvais choix, elle va assumer son choix. Donc, l'individu, dans cette perspective-là, au final, n'est plus si libre puisque, d'une certaine façon, hein, on a des déterminants, donc on est conditionné par certains déterminants et ben, le contrôle et la liberté qu'on a sur notre vie, ben, sont toujours tributaires de ces déterminants et de ce conditionnement l'autre, là qu'on a tous, d'une certaine façon. Et ça revient un peu à la position de Weinstock que je vous ai présentée rapidement, là j'aurais pris les mêmes éléments, mais quand il nous parle, ben, il y a de la désinformation, c'est injuste de faire subir les conséquences aux personnes. Hein, qui ne respectent pas ces règles, alors que le problème est plus large. Hein. Il y a des enjeux de santé publique, des déterminants sociaux. Là, je sais qu'il y a des gens qui sont en santé publique. Évidemment, ça fait partie de vos références puis de ce que vous avez sans doute lu et appris. Mais ben, c'est ça, c'est reprendre vraiment cette idée-là. Ça ne va pas de soi, par contre, que tout le monde partage ces points de vue-là. Puis, ben, la position de Kaplan démontre bien que certains disent, ben, faites des choix, ben, assumez les conséquences qui viennent avec vos choix. Donc, j'avance, j'arrive en fin de parcours, de présentation, puis je pense que ça va dans les temps. Toujours dans les arguments qu'on a pensés contre la position de Kaplan, il y avait des enjeux, je vous dirais, des arguments très pratiques qui nous apparaissaient de toute façon en soi des fins de non-recevoir, comment mettre en œuvre, hein, même si on était d'accord au plan théorique, se dire, ben oui, on fait des choix, assumons nos conséquences. Donc, disons qu'on veut faire fi de la santé publique, on trouverait ça trop paternaliste parce que c'est souvent. Une critique que l'on fait face aux mesures de santé publique, c'est paternaliste, c'est aux individus de faire leur propre choix. L'État n'a pas à justement servir d'intermédiaire d'une certaine façon. Et ben, tous ceux qui sont formés en santé publique, vous savez, là, c'est une tension inhérente à la santé publique parce que la santé publique, c'est la santé des populations, des collectivités. Et on vient brimer souvent ou réduire ou diriger les libertés individuelles ou l'autonomie des personnes. Et là, ben, il y a différentes grilles d'analyse sur quel type de paternalisme et dans quelle mesure une règle ou une publicité d'un gouvernement peut être paternaliste, mais c'est sûr que c'est au cœur de la santé publique. Mais évidemment, c'est toujours dans l'optique, hein, de viser la santé, le bien-être des populations. Mais là, on s'est dit, mon plan pratique, T'sais, si vraiment on acceptait ça, on faisait fi là, de tout ce qui est santé publique, on dit OK, on y va pour la théorie libérale, mais comment on peut mettre ça en œuvre pratiquement? Et là, il nous semblait avoir un nombre d'enjeux là, qui est assez évident qui se soulève. Et peut-être dans la discussion, vous allez être capable d'en identifier d'autres. Là, on n'a pas la prétention d'avoir tous les arguments. Mais premièrement, on disait la responsabilité causale ne peut pas être garantie et prouvée. Donc, c'est-à-dire là, effectivement, quelles mesures ont mené à une infection, effectivement, des gens qui se seraient retrouvés, disons, quelqu'un porterait le masque, mais n'aurait pas toujours la distanciation. Tu sais, comment on fait pour prouver que, finalement, le manquement tel jour a causé, effectivement, l'infection?
ça nécessiterait ce genre d'enquête-là et de régis, si je peux dire, énormément de temps puis de ressources humaines et matérielles, évidemment dans un contexte où on a tout sauf ça, hein, on a peine à trouver des gens pour les soins intensifs et faire, faire le minimum dans les hôpitaux. Et évidemment, toute la mobilisation aussi pour le traçage, hein, pour la santé publique, alors évidemment, ça deviendrait assez fastidieux. Ça pourrait aussi entraîner un risque de délation entre les citoyens, un climat de suspicion, voire de chasse aux sorcières. Là. Je l'ai mis entre guillemets, là, mais c'est un peu ça. T'sais, ah, mon voisin, il a pas porté son masque. Ah, t'sais, il a fait telle chose. Alors, il pourrait effectivement y avoir ça. Puis évidemment, ça devient extrêmement néfaste d'avoir une position ou un climat de peur entre des citoyens dans une société. Parce que, évidemment, la radicalisation, la marginalisation des comportements peut... on n'est pas dans un contexte de tolérance d'engagement. On va y venir dans quelques instants, là, mais voilà. Ça pourrait avoir effectivement un impact, tout ça, sur le lien social, la solidarité. Hein? Et ce qui est important, là, c'est une petite parenthèse, mais la solidarité, si vous prenez la littérature en santé publique, là, elle est essentielle, elle est au cœur, hein, pour justifier les sacrifices individuels, puis permettre un ralentissement de la propagation du virus, puis même, je vous dirais plus largement, de justifier la santé publique. Hein, c'est de se dire, ben, on est solidaire, on vise la santé de la population, du mieux-être, et c'est pas parce que nous, on n'a pas le profil de développer des complications pour le COVID, ben, qu'on doit faire fi des mesures de santé publique, parce qu'effectivement, on peut mettre à risque des gens qui, eux, n'ont pas cette immunité ou ces profils favorables, disons, pour pas développer des formes graves de la COVID. Il y a aussi toute la question de la faisabilité de cette enquête que ça nécessiterait, là, de savoir qui a eu quel comportement. Ça prendrait des ressources, du temps. Et du temps, là, je ne dis pas juste du temps pour le personnel soignant, mais du temps pour les malades et du temps que probablement la plupart n'ont pas. Quand on se présente et on a une forme grave de la COVID, c'est pas le temps de commencer à retracer le dernier mois de tous nos contacts, de tout ce qu'on a fait, etc. Il faut des soins immédiatement. Il risque aussi d'avoir des biais cognitifs, des préjugés qui pourraient s'exprimer donc de la part du professionnel, des professionnels en charge, peut-être stigmatisation, discrimination d'une partie de la population. Puis on se le cachera pas, là, on aime bien dire qu'on est bien protégé, puis qu'on, hein, comme société, les droits fondamentaux sont respectés, mais il y a des cas malheureusement d'abus, de discrimination. Je pense notamment, excusez-moi, il faut que je boive. Désolée, à l'autochtone qui est décédé là, dans un centre hospitalier, je pense que c'était de Saint-Jérôme, si ma mémoire est exacte, exactement. Yeah. Et puis, on voit dans le fond qu'elle a subi de la discrimination, hein, de façon très grave. Alors, évidemment, excusez-moi, j'ai un rhume, ça existe encore, là. Mais ma fille m'a rapporté ça du CPE. Alors là, on le voit, ça fait déjà plus qu'une demi-heure que je parle, ma voix commence à... Donc voilà, alors ça, c'était des enjeux plus pratiques. Donc, je pense que je vais conclure, il me reste deux diapos. Donc, plutôt que de s'en aller dans une position comme ça, ce qui nous semblait, par contre, important, c'est de dire, oui, il y a un mouvement anti-masque. Oui, il y a des gens qui ne suivent pas actuellement les consignes sanitaires de santé publique. Et il y a quelque chose que l'on devrait faire. Et on pense, Marie-Alexia et moi, que c'est plutôt de miser sur l'éducation, la collaboration, puis la sensibilisation, qui sont des voies gagnantes. Puis on pourrait ajouter, là, c'est pas exhaustif, voilà. Donc, les études en santé publique nous montrent déjà que les individus vont s'engager dans un changement de comportement si, premièrement, ils pensent qu'ils peuvent être personnellement exposés à une maladie jugée comme sévère. Ils reçoivent des mesures mises en... Ils perçoivent les mesures mises en place comme étant efficaces. Alors ça, c'est un travail de sensibilisation. T'sais. Vous savez, au Québec, le couvre-feu, plusieurs ont dit « Mais pourquoi un couvre-feu? Puis ça sert à quoi? Puis ça démontre rien? » Puis bon, alors ça, c'est exactement ce point-là. Donc, c'est important que les gens comprennent c'est quoi le sens de cette mesure-là puis pourquoi elle est efficace. Et que les gens se sentent capables de mettre en place ces mesures-là.
en ce sens-là, l'INSPQ, puis on a des chercheurs aussi qui nous disent, bien, il faut offrir à la population des messages clairs, simples, adaptés, non stigmatisants. Et je lisais dans le Devoir récemment, il y avait un prof de Concordia qui faisait en communication, qui faisait une analyse du discours hein, du gouvernement du Québec depuis le début de la COVID. Il disait, ben, il y a des choses qu'on pourrait améliorer parce qu'il y a des messages qui sont confus par moment. Il y a des fois un petit peu un ton qui peut être infantilisant. Il y a des fois des informations contradictoires. Il y a des flottements. Bref, donc là, il y aurait peut-être un travail à resserrer, à retravailler pour... malgré le fait, et finalement, qu'on comprend qu'on est dans un climat d'incertitude, mais que les messages, eux, soient travaillés, clairs, simples, adaptés, non stigmatisants. On peut miser aussi sur la collaboration et le soutien au sein des communautés, hein, en ce sens-là, de raffirmer les bons coups, d'encourager les bons comportements, de démontrer en quoi les bons comportements mènent à des résultats positifs pour la collectivité. Alors ça, c'est une façon plus positive, hein, d'atteindre nos buts et renforcer l'entraide et le soutien à l'échelle locale dans un contexte pandémique, évidemment, qui bouscule pour tous nos relations sociales. Donc, se dire, ben voilà, comment on peut aider hein, aux gens de continuer à vivre leur vie, comment on peut. Et au début, la première phase, il y a eu beaucoup de mouvements citoyens, même des gens m'ont rapporté sur Facebook, offraient leurs services pour aller faire des courses pour des gens qui étaient plus à risque. Hein. Et c'est ce genre de pratique-là de se dire, ben, comment au niveau de l'organisation sociale, de nos collectivités, de nos communautés, ben, on peut miser sur l'entraide, puis se soutenir dans ce confinement-là ou dans cette période-là de crise. Une autre mesure qui me vient, mais là c'est plus au plan psychologique, à l'Université de Montréal, il y a eu de l'aide, du soutien pour les étudiants qui pourraient éprouver de la détresse. Bon, alors ça, ce sont toutes des mesures qui viennent renforcer l'entraide, le soutien, l'accompagnement, pas laisser ça, tu sais, aller chez vous, puis c'est la crise. Mais plutôt hein, de miser sur des valeurs qui font en sorte que la solidarité, le soutien, l'entraide, l'écoute est présente. Bon, je suis contente, j'ai pu terminer. Alors, voici c'est nos références. J'ai pu quand même terminer dans les temps pour, et ma voix m'a permis de le faire, donc pour évidemment laisser part à vos questions, vos échanges, discussions, interrogations. Et puis, je pense que je vais arrêter, Laurence, hein, le partage d'écran. Oui, si tu peux. Donc, ça devrait être bon. C'est fait, là? Oui, Oui, OK. Merci. c'est bon, Emmanuel. Excellent. Là, ça sera à mon tour, c'est ça? Pense que c'est ça. Et moi, Oui, ça me donne Jean-Louis, le c'est temps à de votre tour. moucher. OK. Ben, merci de l'invitation. Je vais pas prendre beaucoup de temps, peut-être faire un certain nombre de remarques qui sont probablement plus en lien avec les derniers PowerPoints d'Emmanuel autour des considérations pratiques. Moi, je suis ni philosophe, ni juriste, ni éthicien, donc je suis un peu un barbare, c'est-à-dire que je m'intéresse aux instruments qu'ont les gouvernements en santé, les États, pour intervenir, essayer de trouver des solutions satisfaisantes à des problèmes jugés collectivement importants. Et ce qui nous est adressé aujourd'hui est, je dirais, je ne le dis pas négativement, est à la fois très intéressant, mais n'est pas nouveau. Je dirais, c'est un bon vieux problème. La question de la responsabilité individuelle en santé, la manière dont on va s'accommoder, je dirais, d'une réflexion, d'une attention sur la responsabilité individuelle dans des systèmes construits pour assurer, valoriser la solidarité entre les individus. Et là, on est vraiment dans une tension fondamentale qui... Pour quelqu'un qui vient de la recherche et soins de santé, et je dirais, est en permanence, et je vais donner des exemples, et s'est exprimé différemment, je dirais, humblement dans l'histoire des idées, si vous voulez, dans les systèmes de santé.
Je commencerai par une première considération qui est de dire, d'un côté, on peut évoquer des normes absolues, et là, on le voyait, les arguments à partir de philosophes. On avait l'occasion de relire un peu nos classiques, soit plus contemporains, ou John Stuart Mill, entre autres. Et la question de comment réfléchir à des normes en contexte. Et là, je trouvais dans le petit vidéo du docteur Arthur Kaplan qu'on était vraiment en contexte. Je me disais même, est-ce qu'on parlerait comme ça ici? On peut être tenté, mais pas tout à fait. On était dans une autre société quand même qui va aborder quotidiennement et dans les médias ces tensions-là entre la liberté individuelle, la responsabilité collective, le rôle du gouvernement, le rôle des régulateurs, ainsi de suite. Deuxième petite considération, et probablement sans les caricaturer, des économistes, entre autres Béhavioral soulignerait ça, c'est de dire vos individus qui ont été les délinquants, là, je caricature, bien ceux qui ont de l'argent vont trouver un chemin, surtout dans le contexte de la société qu'on décrivait. Je ne dis pas nécessairement au Canada, mais aux États-Unis, s'ils ont de l'argent, ils vont trouver un chemin. Et on peut toujours leur donner un impératif moral, placez-vous à la fin de la liste par moralité. S'ils ont de l'argent et qu'ils ont des convictions de leur comportement, ils vont trouver moyen d'être soignés. Ou leurs proches, dépendant de leur état. Non. Un autre point qui est très, très près des considérations pratiques qu'abordait à juste titre Emmanuel, c'est de dire, et là je caricature, on va vite, hein, on peut bien penser à ces principes-là dans l'abstrait, mais une des conditions, et ça c'est un peu comme en droit, d'effectivité d'un principe, c'est est-ce qu'on peut le mettre en œuvre? Donc, on doit être capable de monter un appareillage régulateur, institutionnel, éventuellement répressif, qui va m'assurer que monsieur et madame qui ont été délinquants vont passer à la fin dans l'offre de soins pour la COVID. Et ça, je dirais, c'est tout un défi. On peut le juger immoral pour les arguments de, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais les arguments d'un système fondé sur la solidarité, les risques d'être sensible par différenciation sociale plus que d'autres à la désinformation, tout ça. C'est ce que je vais appeler moral, mais même, et là je vais adhérer à ça, je vais dire on ne le fait pas parce que ça ne me semble pas une bonne idée. Mais en plus, c'est peut-être pas une bonne idée de le faire parce que c'est un peu comme lorsqu'on met plus de ressources pour aller chercher, entre guillemets, des délinquants par rapport à des politiques de protection sociale. On va passer plus de ressources à surveiller qu'à redistribuer. Et c'est probablement pas très intelligent collectivement faire ça. Ça, c'est un autre aspect. Et après ça, quand on analyse les systèmes de santé, on a aussi des niveaux d'analyse. On va dire, j'ai des politiques de système, j'ai une marge d'autonomie au niveau des organisations. Je vais vous dire pourquoi je vous dis ça, et après, j'ai le niveau individuel. Je vais commencer par le niveau individuel, tout le champ qui est mieux connu aussi par certains là, qui sont parmi nous, qui viennent plus de promotion de la santé ou de santé des populations, ben on a traité depuis longtemps la question du blâme, du victime, du blaming, du shaming dans ce domaine-là, et on a fini par dire, ben, oui, vous avez fumé, mais on va vous soigner quand même. Et on trouve que c'est une bonne idée parce que c'est vraiment compliqué d'aller à la source du comportement. Et on sait que tous les comportements humains ne sont pas rationnels
Et on sait aussi qu'il va y avoir des variations légitimes entre individus. Et c'est très compliqué d'instaurer une nouvelle morale au niveau d'un gouvernement pour dire « je vais trancher entre le bien et le mal » et entre autres face au comportement de santé. Fait que je vais accepter, et on l'accepte quotidiennement, ça, dans le système de santé. Si pour celles et ceux qui ont des contacts avec les établissements de santé, bien évidemment, il y a des risques provoqués par comportement qui représentent une partie de la demande de soins. Et moi, je serais très, très mal à l'aise et je n'aurais aucune raison rationnelle pour penser que je ne dois pas soigner. Et je ne souhaite pas qu'un État va trancher là-dessus. C'est au niveau du système. Après, au niveau, j'achève, là, 2 minutes. Après, au niveau organisationnel, bien, les systèmes de santé ont essayé de prioriser de longue date, de façon formelle. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'expériences, allant des expériences classiques en Oregon. Mes amis du UBC, donc Craig Metten, qui s'intéresse à la science de la priorisation. Puis ça se fait mieux sur ce qui s'en vient que ce qui existe déjà. Et là, on va voir là, avec toutes les thérapies génétique, tout le, je dirais, le potentiel énorme, on va être obligé de se poser la question, qu'est-ce qu'on laisse rentrer dans le système, qu'est-ce qu'on va accepter de couvrir? Et là, vous voyez, on n'est pas sur les individus, on est sur une question fondamentale, qu'est-ce qui est raisonnable d'offrir dans un système de soins de santé, étant donné les autres obligations d'un gouvernement et d'un État? Et qu'est-ce qui est raisonnable d'offrir? Une chose qu'on a appris en santé, c'est plus simple, mais c'est déjà vraiment compliqué, quasi impossible à faire, mais c'est plus simple d'essayer en amont de dire on va attendre d'avoir plus d'évidence sur A, il y a trop d'externalités négatives sur B, on ne va pas rendre cette procédure-là accessible. Et si j'avais une énergie à mettre dans la priorisation, je serais beaucoup plus de ce côté-là que d'utiliser une pandémie de façon conjoncturelle pour dire « Madame X, Monsieur Y, vous avez triché » et là, il y a tout le problème d'attribution de la cause qui a été soulevé très bien par Emmanuel. Donc, la priorisation fait partie de notre vie dans les politiques et gestion de la santé. Et un dernier point, souvent la sagesse collective a amené à un genre de rationalisation implicite aussi. Il ne faut pas se le cacher, il s'en fait des choix d'accès constant, que ce soit dans, et souvent dans des situations pas très drôles où on va dire comme clinicien, ça me semble excessif de, où on va poser à une personne. On va demander à ses proches, oui, on va faire l'opération, mais je ne vais pas réanimer parce que ça va faire plus de dégâts que de bien. Et il se fait toutes sortes de ce que j'appelle de rationalisation implicite et de décisions éclairées qui sont laissées au jugement clinique et collectif plus immédiat. Donc, la priorisation au niveau d'un système, on a une technologie, l'INES, par exemple, au Québec, qui donne des avis. La priorisation dans les organisations et dans le quotidien clinique, et j'ai l'impression que ça va être des passages beaucoup plus importants. Et je terminerai là-dessus. Le cas qui nous est évoqué ici, est-ce qu'il est si important sur l'ensemble de la pandémie? Et ça aussi, c'est une question à se poser. Et personne n'a trop la réponse. Hein? Oui, on a des hypothèses, l'après-période des fêtes, et ainsi de suite. Mais tout le monde a été surpris par la deuxième vague. Il y a peut-être une troisième vague avec des variants. Est-ce qu'elle va dépendre vraiment du laxisme de la majorité? Probablement non. Mais je ne suis pas épidémiologiste. Fait que je terminerai là-dessus. Merci. Présentation très stimulante. Problème pas nouveau au sens qu'il est important, mais il va durer aussi après la pandémie. Et à ce jour, des systèmes de soins fondés sur des principes de solidarité
on préférait essayer de penser explicitement la priorisation et le rationnement plutôt que de rationaliser par des attributions sur des comportements individuels. Et j'arrêterai là. Merci.